la nature nous appelle à l'introspection, à ne pas tout contrôler, et ne pas vouloir à tout prix intervenir dans ses affaires, simplement à libérer nos énergies créatrices, à admirer les multiples symbioses que la forêt génère avec confiance. Elle est un poumon et un cœur. Ses habitants nous racontent aussi la magnifique intuition du monde. Émergent et montrent leur face et leur profil.
Elles se présentent à nous telles des sculptures étranges. Elles nous proposent leur passage buissonnier. Elles épousent le monde végétal ou servent de refuge à l'animal. Nous ne pouvons que nous étonner de l'imagination de la nature qui use d'un temps considérable, hors de notre échelle d'humain, pour œuvrer et dispenser leurs surprenantes merveilles. L'aquatique produit toutes sortes de splendeurs, de relations visuelles étonnantes, de filtres subtils, de reflets scintillants, de bouillonnements intenses ou de passerelles chromatiques. Joyaux de la joie de l'eau. Appellent au ciel, d'autant plus qu'elles le cachent. L'arrivée dans l'école, l'accession au sommet, l'ouverture des clairières et des chaumes nous le révèlent en plein jour, du matin au soir, et même la nuit. Ces ciels pénètrent dans la terre, dans les vallées et les sous-bois. Ces cavaliers et ces ambassadeurs se nomment nuages, brouillards, brumes, vents et pluies, mais aussi grands rapaces et autres scrutateurs et migrateurs à deux ailes. Il donne la couleur aux montagnes avec la complicité du soleil. Dans les Vosges, nous
démontre aussi le théâtre de la nature, ses sunlights, ses contre-jours, ses spots et ses flashs, comme si la vie ici était un continuel tournoi.